avec des bananes, y'a pas de sanctuaire là. Oh, enfin le jour se lève. On va y voir un peu plus clair. Il y a un sanctuaire dans les parages. Je reviendrai plus tard. Tu comptes 20 Ganon aujourd'hui? Je pense pas que. Non, je pense pas. Je pense pas aujourd'hui. Ouais, mais là, il y en a pas vraiment. À l'environnement Black Flag là. Excellent. Aïe. Aïe. Là, j'ai envie de voir ce qu'il y a là, mon frisette. Puis en même temps, apparemment il y a des sanctuaires aussi à proximité. Carrément, il, le marchand se bat aussi. Ah. Oh, merci. Oh. Merde, il y a de l'orage. Mais non, je l'ai jeté. Je voulais juste les déséquiper. Waouh. Super, il y a un Ivia. Oh, oh, oh. Merde, mon bouclier. Voilà. Colline Tento, vallée du poison, poisson. On va monter au mont Frisette et puis on va revenir après au pont du lac Ilga. Juste pour le nom, j'ai envie de voir ce qu'il y a au mont Frisette. C'est magnifique quand même, le tonnerre tape, ça s'allume,
Ça allume l'herbe qui est éteinte directement par la pluie après, c'est magnifique. Encore un yum, mais qu'est-ce que vous êtes là tout seul? Je l'ai déjà. Non, faut que j'aille le présenter. Attends. Ah ouais, ça passe par la plage. Mort, du coup je vais me suicider. Bah mon suicide est ordinaire. Ah salut, juste avant que je tape. J'adore cette région. Elle est super cool cette région, j'adore cette région. Ça te rappelle un peu le Portugal? Ouais, ça nous rappelle un peu quand on se promenait là au hasard, tu sais. Mais tu vois, on va aller voir ce qu'il y a derrière la colline. Faisait un peu de l'exploration. Oh, mon frisette. Des nanas. Ça doit être tout en haut, mon ami. Oh, y a un étang en forme de cœur. C'est peut-être l'étang des amoureux. Il y a un étang des amoureux, mais c'est un cœur brisé. Alors là, c'est peut-être le vrai étang des amoureux. Oh, je vais te le dédier. Je sais pas où on y va. Bah, j'en sais rien. Je découvre le jeu de mon cœur. Oh, puis avec le ciel en plus bien rosé là, hein. Savak. Savak, je ne pense pas te rencontrer sous la pluie. C'est toi? Le Voy qui est censé être mon âme sœur? Non. Non, ça m'étonnerait. C'est bien ici l'étang des amoureux dont parle la légende. Tout ce que je dois, c'est ce Voy bizarre là-bas. Mais j'ai réellement rencontré mon âme sœur ici? Quel Voy bizarre, vous savez? Ok, il y a plein de Radimax. Ah oui. Ne t'approche pas d'elle, je l'ai vu en premier. T'es mon rival alors. Ah bon? Tant mieux. Je m'appelle Camis, et en fait je me suis perdu et j'ai atterri ici. C'est alors que j'ai aperçu au beau milieu de cette terre reculée une femme magnifique. J'ai d'abord cru à un mirage, puis à un fantôme. Je me laisse parfois emporter par mon imagination, quoi qu'il en soit. Crois-le ou non, mais elle correspond parfaitement à mon idéal féminin. C'est pour ça que j'ai pris une grande décision, je vais lui avouer mes sentiments.
J'ai décidé que le jour où je trouverai mon âme sœur, je ferai ma déclaration en lui donnant une fleur silencieuse. Si Oh. j'en avais une, je pourrais avaler. Bon, j'en ai 36 000 des fleurs silencieuses. Tu veux une fleur silencieuse? Tiens, je te donne une fleur silencieuse. Attends, tu n'aurais pas une fleur silencieuse sur toi? J'en ai plus que 30, je crois. J'en ai un pour mon paquet monstrueux. Tiens, vas-y, va créer une descendance. Maintenant, je devrais trouver la force de la courtiser. Oh là là. Allez, mon gros. Oh, j'y arrive pas. Dès que je la pose sur les yeux, mes jambes se mettent à trembler et je refuse de bouger. Je suis désolé, mais voudrais-tu bien aller lui donner cette fleur de ma part? Mais non, je comprends. Mon histoire d'amour n'aura. Mais non, mais non, mais. Oh là là! C'est que c'est à toi d'aller t'en charger. Et dis-lui que c'est de ma part. Oh putain. Tiens, il y a machin qui est amoureux de toi, mais il ose pas, donc il te donne une fleur et blablabli et blablablou. Ces fleurs viennent de ce voy? Lui là, là, gros machin, enfin le cake là. Tu sembles dire la vérité? C'est toi qui m'offres cette fleur? Désolé, tu n'aimes pas les fleurs silencieuses? Au contraire, ce sont les fleurs que je préfère! J'aimerais bien savoir comment tu es au courant. Es-tu un espion ou un bandit? Non, 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 pas du tout. Les fleurs silencieuses sont mes fleurs préférées. J'ai décidé il y a longtemps d'offrir ces fleurs à mon âme sœur si un jour je devais la rencontrer. Ton âme sœur? Si c'est pas le destin, alors ça, je veux dire que c'est toi le voy qui est censé être mon âme sœur. Très bien, j'accepte. Mais tu vas devoir m'avouer tes sentiments, bonne et due forme. Hein? Pas de rien. Parle. Dis ce qu'un voy doit dire à un vaille. Hein? Ce genre... Du genre, je t'aime ou tu veux bien sortir avec moi? C'est assez soudain, mais oui, avec plaisir. Tu as entendu? C'est une déclaration d'amour, une vraie de vraie. J'ai du mal à croire que la première personne qui m'avoue ses sentiments pour moi soit mon âme sœur. Je suis très touché. Sniff, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Je ne trouverai pas les mots pour te remercier. Tiens, c'est pour toi. Si c'était aussi simple de se retrouver en couple. Quoi, mais quel radin! C'est tout ce qu'elles veulent tes sentiments pour moi? Ah, pardonne-moi, c'est mieux que ça. Ouais, ça ira. Hé hey, toi, j'imagine que je dois te remercier. J'espère que un jour tu trouveras une vaille aussi bien que moi. Vous êtes fait pour être ensemble. Vous allez avoir une vie très très heureuse et épanouissante. Oh, mais j'ai bien fait de passer par là, moi. Hein? Plus vite que le vent. Bon, on va retourner du côté du lac. Il y a un de ces quatre. Une fois qu'on aura les souvenirs de Zelda, on verra pour explorer tout ce qu'il y a à explorer. On va retourner du côté du lac. Il y a donc apparemment, ce serait. Par ici, on va se lancer d'ici. Donc il a dit au nord-est, hein, c'est ça? Alors je suis au nord-est à peu près. C'est ça? Je suis au nord-est. Nord-est. Ça dépend d'où on regarde, c'est ça? Elle vient de me le dire, ça dépend d'où on regarde. Le nord, c'est... Bah ça dépend d'où on regarde. Ok, c'est pas de souci. Ça dépend dans la direction où on est tourné. D'accord, ok. Mais dans quel sens? C'est pas fou. Du lac. Si, au nord-ouest. Oui, mais il faut bien que je le téléporte. Là, tu vois l'eau, j'ai mis la balise. Tu vois, il faut qu'on trouve ça, regarde. Ça. Ah, c'est ça, le pont il est là. Là il y a les petites montagnes là au fond. Il y a le lac.
Et donc c'est par là. Donc, mais non, non, mais. Donc techniquement. Donc le pont il est là. La montagne qu'on voit au fond, ça doit être ça. Donc ça doit être quelque part par là. Peut-être même ça. C'est peut-être trop reculé ça. Je vais mettre une balise là. On va aller voir sur la balise violette. De plus saillant. Elle est où? Je l'aime beaucoup cette tenue. Je l'aime beaucoup cette tenue. Non, ça me protège contre la chaleur, mais c'est tout. Ah oh oui, contre la chaleur. Là, il fait très chaud et on est en plein été, à mon avis. Ça fait un peu trop précieux là. Coucou? Le grand Koga est vraiment magnifique, pas vrai? C'est joli. Ventre tout rond, il me fait fondre. Le grand Koga? Non, tu sais pas qui c'est? Très bien, je vais te le dire. Le grand Koga, c'est un boss. N'essaie pas de me faire croire que tu l'as oublié. C'est le boss du gang des Yiga. Ah oui, c'est vrai. Que j'ai explosé, c'était hilarant. Je vais venger le grand Koga. Ah, t'es un Yiga. Bien joué, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. Putain, mais... Comment ça me roulotait les boules? Ah, bouffe ça! Bouffe ça! Bon, c'est quand tu te renflammes le gland là? Chauffe-toi le gland! Allez, c'est bon. J'ai dit par là. Par là. Par là? Ah non, violet, violet. Bonjour! Je crois qu'il est mort dans son vomi, le mec derrière. C'est quoi cette structure? Ah, encore vous? Ah, ils ont préféré fuir. Quoi? Où ça? Oh, bien vu. Ça augmente mon inventaire d'armes, de boucliers, de tout ça. Violet, j'avais dit violet d'abord. Je pense que je peux en améliorer si j'y vais. Tiens, ça a l'air d'être là. Regarde. Ouais, c'est ça. Tiens. La Zelda. Pouvoir bouffer ma pizza en attendant.
Bonne soirée, Rolly. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père, tu t'es entraîné durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si... Si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée. Mais qu'on ne cessait de te répéter, depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier, se doit de devenir chevalier lui-même. Si on t'avait répété ces mots toute ta vie. Dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin ? Elle a du mal à supporter le poids qui lui incombe. Bon, maintenant il va falloir qu'on aille dans un autre relais pour avoir un autre indice d'un autre souvenir. Quoique, je peux peut-être en retrouver un comme ça. Journal. Attends, on va valider la quête du jeune là. Un arc à double encoche, on va faire ça. On va valider les quêtes que je peux valider déjà. Ça sera déjà fait comme ça. Désolé, je mange la part de pizza que ma femme ne peut pas manger alors que j'ai préparé avec amour. Oh, merde, il va dormir. Est-ce que ça le réveille ? T'es debout ? Et réveille-toi ! Il a fait. On continue. Ouais, je t'avais dit que j'étais propriétaire. Ouais, c'est dans ce village-là. Bye, Ordinary. Non, c'est bon. Attends.
Ça reste quand même le meilleur, hein, l'armure de soldat, enfin pour moi, de ce que je préfère. Oui, parce que pour aller dans le village Gerudo, il fallait que... Ah, il y en avait bien. Une vendeuse, un vendeur qui s'est fait passer pour une fille pour rentrer dans la vallée, pour pouvoir vendre ses objets. Oh non, il est pas encore debout, il est 5h du matin, quoi, sérieux. Ah, les parents sont debout par contre. Hein? Les gamins dorment encore. Putain, une bouteille d'eau. J'ai le diadème qui est pas mal. Je suis pas mal comme ça. Il y a une tenue que j'ai pas achetée, tiens. Donc j'ai de l'argent. Ça, je l'ai jamais acheté. Ça va avec la capuche, à quoi ça ressemble. C'est pas mal. Moi, en fait, c'est avec ça. Mec, j'aime bien le diadème. Mais du coup, la teinture, il fait quoi? Mais pas beaucoup beaucoup. Tu sais, par exemple l'armure, je pensais que c'était que je pouvais teindre le bétail, mais en fait je peux teindre que le tissu derrière, ce qui est dommage. Mais comme là c'est que du tissu, ça devrait... Ah, ils peuvent pas être teints. Ah si. Sauf que c'est tout d'un coup, tu vois. Tu vois? Ce qui est dommage. Parce que là, tu vois, t'as une double couleur qui est assez agréable. Ça aurait dû te pousser un tout petit peu plus ce système de teinture. Mais pas mal comme ça. Bon, 7h, il a dû se réveiller là. Il est encore au lit? Ah, les jeunes. Oh putain. Attends, jusqu'à quelle heure? Tu regardes le paysage, tu regardes l'herbe qui bouge, tu fais des trucs. Bah il est plus à la maison. Il est en train de jouer avec ses copains. Tiens, il est là. Il joue avec sa soeur. Yo. Salut. Oh, hein. T'as un arc à double encoche. Tiens-moi ta promesse. Mais bien sûr. C'est dément de voir un truc aussi pour de vrai. Mon grand-père dans le ciel sera sûrement content. Alors tu vois, c'est toi cette personne. Alors la prochaine arme que j'aimerais savoir, c'est laquelle, voyons voir. Ça y est, celle-là. Dis-moi, un sabre tranchevent. Oh putain, je dois voir. Oh, je dois voir une seule fois. Relais des pierres curieux, je sais pas. Dis lézard, c'est chiant. Ça, je sais pas. Ça.
Les portes disparues, j'ai pas fait. Ah oui, une baguette de glace, Almus dans la grande forêt. Visez mon bouclier quand tu veux. Salut mille oiseaux. À mettre en plein écran, ça pixelise trop mes yeux de PCiste. Mais passe en. Mets-toi en source, normalement en source ça devrait aller. Mais c'est sûr que t'auras pas un... une qualité comme. C'est vrai, ça sera pas comme si t'étais la console en train de tourner chez toi quoi. C'est sûr. Oh là là, tu possèdes une baguette de glace, tu en as une? Oui. Mais ça suffit pas, équipe là, s'il te plaît. C'est une baguette de Blizzard, mais alors c'est encore plus fou! Mais merci, merci ami héros, tu es si chevaleresque, si resplendissant, j'aimerais te remercier. Ah, c'est indiqué quand je les ai retrouvés. Hein. Donc ça c'est fait. Mais j'aurais, je sais pas. Une écaille d'Ordrak. C'est un des dragons qu'il faut battre. Aucune idée comment les battre. Va falloir que je m'y colle un de ces quatre, hein. Je peux aller voir Impa au fait. On va aller voir Impa. En même temps, je vais voir ce que je peux améliorer dans mon. C'est où le village Cocorico déjà? Domaine Zora. Ah, elle. Il est monstrueux ce Zelda. Le meilleur. Le meilleur de tous. Il est vraiment monstrueux. J'ai fait 68 sanctuaires. Ah merde, j'ai oublié. Attends, il y en a un deuxième normalement. Il n'y en a pas un deuxième? Ah, il est là. Il m'a pas vu. Ah si, il m'a vu. Chier. En tout cas, je l'aurais. C'est clair. Attends, je vais récupérer des fées. Alors, qu'est-ce que tu peux...
peux m'améliorer? Est-ce que tu peux m'améliorer mon armure de soldat? Ah non, c'est vachement bien. C'est vachement bien, justement, ça donne un petit côté simu pour l'escalade. Alors, tu n'es qu'il y a une, c'est des cornes de beaux gobelins. Bon, je vais déjà faire ça. Là, je peux toujours pas le truc de soldat. Je peux faire les pieds, par contre. Après, il faut... Bah, il est où ? Bah, il est passé où ? Elle est là. Après, il faut des crocs et des... Ah bah c'est bon, je pourrais l'améliorer encore après. Mais tu veux, je l'ai amélioré. Maintenant, j'ai deux ronds. Et si tu dors dans les hôtels avec massage, t'as un rond supplémentaire, ça fait 3 ronds, t'as largement assez. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour le casque? Ah, des viscères d'inox, faut que je farme de l'inox. Par contre, je peux faire les pieds. Et donc, il me faudra... Juste une viscère d'inox. Et je pourrais avoir mon plastron niveau 3. Bah, c'était pas ça tout à l'heure, si? Hein? Ah, c'est peut-être pour le niveau 3. C'est clair, il a eu peur. Alors donc ça je peux pas, là je sais pas, donc là il me faut 2 viscères d'inox. Donc ça je peux plus, c'est niveau 3, je sais pas s'il y a un niveau 4, pour l'instant j'ai pas l'impression. La gelée chou rouge. La gelée chouchou blanche. Ça, ça peut pas être renforcé. Des lézards ignifugus. Putain, mais ça, c'est super chiant. Déjà, je dois en choper 10 pour une quête. Ah, c'est que de lézaflos pour eux aussi. Et des perches max, perches d'irune. Des escargots silencieux pour ça. Est-ce que c'est... De toute façon, je vais... Je sais plus si chez les auras, c'est des escargots silencieux qui traînent par terre ou des... Bon, j'essaye. Des ailes électriques pour lui. Une corne de linelle pour l'améliorer le barbare. Des cornes de linelle pour le barbare. Ouais mais... Ça veut dire qu'il faut que je tue 2 autres linelles pour les autres. Ça, j'en peux pas. Et donc ça... Oh, ça va, c'est bon. J'aurais amélioré pas mal de trucs. Hein. Ouais, c'est ça, c'est par niveau. Et niveau 4. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de niveau 4. Ouais, les armures sont très diversifiées. Tu peux vraiment passer d'un barbare à la Conan, à un soldat, à un gars ninja et tout. C'est vraiment cool. Et elles ont tout un impact intéressant. Un fragment d'étoile, j'en ai jamais vu. C'est ça, sur les étoiles filantes, du coup.
Bye. Pourquoi je suis venu à Cocorico? Parlez à Impa. Dame Impa? Une ancienne Sheikah. Bah, c'est elle qui m'a aidé à trouver les. Qui m'a parlé des quatre créatures divines en fait. Je vois que l'épée est enfin retournée à son propriétaire légitime. Ha ! Tu ne me déçois pas, mon garçon. La lame purificatrice t'a reconnu pour maître. Et ensemble, vous avez la capacité de déchaîner une immense puissance. La princesse a tout risqué pour toi et cette épée, ne l'oublie jamais. Au fait, maintenant que tu t'es plongé dans les souvenirs de la princesse, tu dois avoir retrouvé certains des tiens. Autant te remettre tous ceci tout de suite avant que je n'oublie. Pam parapapam. Ces vêtements t'appartenaient, c'est la princesse qui me les a confiés. Ils ont été confectionnés pour toi lorsque tu as été reconnu comme l'un des prodiges. Prends-en grand soin. D'ailleurs, se pourrait-il que... Je sens la présence. Ils sont tous là. Daruk, Urbosa, Revali, Mipha. Il y a 100 ans, je me suis battu, moi aussi. Nous nous sommes tous battus, mais je n'ai pas pu les protéger. Ils sont morts sans avoir pu accomplir leur destin. J'imaginais leur âme en peine, privée de repos à tout jamais. Mais à présent, je sens leurs esprits vaillants et pleins de force. Ils n'ont jamais perdu d'espoir. Comment ils ont dû être, comme ils ont dû être heureux de te retrouver. Vous êtes tous liés par le même but. Il est temps de rejoindre la princesse Zelda et de porter au fléau Ganon le coup final tant qu'il est affaibli. Ganon se tire dans le château d'Hyrule. Tu peux compter sur la protection des créatures divines, mais ne baisse pas ta garde pour autant. Le fléau Ganon sera bien protégé. C'est dommage, elle était bien cette chance. À quoi ça ressemble? Ouais, elle fait trop. Fait trop vacances. Hein? Je vais garder celle-là pour l'instant, je l'aime bien. J'aime bien avec le petit placeron en cuir là. Et du coup, je vais voir si on peut l'améliorer. Je vais retourner à la. Bah, je peux lui reparler? Le pouvoir de Ganon est certes diminué, mais j'ignore combien de temps la princesse pourra encore le retenir. Le sort de la princesse est entre tes mains, Link. Où dois-je aller? Et mes souvenirs? Les souvenirs de la princesse Zelda sont aussi les tiens. Si tu te rends aux endroits représentés sur les photos qu'ils sont prises, reviens voir quand tu les as tous trouvés. A plus. Je parle à qui on entend que toi? À ma femme, il y a ma femme qui est juste à côté. Elle est en train de me regarder jouer. C'est pas un. Y a personne, y a aucun. Enfin, j'ai pas d'amis imaginaires en quoi. Attends, merde, c'est pas où? Ah oui, il y a une quête. Non, non, qu'est-ce qu'il commence? Je m'ennuie. Youpi! On joue à quoi? On joue à quoi? À chat. Trop bien! Alors, c'est toi le chat? Je vais rentrer voir Nono quand c'est l'heure de manger, d'accord? Je sais quoi, je dois la trouver? Elle est là. Je vais t'attraper! Oh, tu m'as attrapé. Mais c'était trop bien! Regarde, c'est mon trésor à moi toute seule, mais toi t'es gentil, alors je te le donne. Attention, hein, ça fait mal aux dents. Cristal de sel. T'es mignonne. Hein? On y va déjà. Bah, retournez voir le. Ah, bah, c'est là. Cherchez la route qui montait. Retournez voir la fontaine pour améliorer. Ouais.
Attends, je vais faire gaffe, voir s'il y a le lapin là, qui est revenu. Là. Mais je crois pas qu'il est revenu, je crois qu'il revient toutes les 24 heures. Ouais, non, il est pas là. Qu'est-ce qu'il demande pour la tenue? Ah, des princesses de la sérénité, dis donc. Ce qui semble logique. Ah. Ok. Donc, la carte. Non, si. L'album, voilà. Ça, ça a l'air d'être devant le château des Rugles, ça doit pas être compliqué à trouver. Hein. Donc. Non, la carte. Voilà. Le château des Rugles, il est. Là. Voilà. Donc ça doit être là. Ça doit être ça. On va se mettre là. C'est soit ça, soit ça. Alors qu'est-ce que j'ai dit, c'est le violet, hein, c'est ça. Par contre, faut que je fasse gaffe, il y a des gardiens qui se promènent dans le coin. La zone est assez dangereuse. D'accord, qu'est-ce que je disais? Oh là là. Super, un Iga aussi. Iga en est mort. C'est un truc que j'ai jamais ramassé. Chier. Ah, c'est un arcade blanche. Hein? Non, ça c'est pour ça, c'est juste ça. Ah, faut que j'aille au laboratoire, savoir si je peux récupérer l'armure des gardiens. On va faire ce souvenir, puis je vais aller au laboratoire. Oui, je sais, mais je fais le tour du rocher. Elle est jolie cette armure, hein, avec ce diadème et tout sur la tête. J'aime beaucoup. C'est rempli de gardiens. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Hein? Attends, il y en a un autre là. C'est pas là. Ce serait là, là.
Ah si, c'est là. Ou alors c'est un autre. Ça. Bah l'autre, c'est l'autre, on voit un cheval. Donc c'est... Ah si, c'est ça. Ouais. J'ai tiqué aussi, j'ai fait putain, on dirait le château de Mickey. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. L'âme de pureté. Ben, c'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Non, elle n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs de princesse. Ça c'est fait. Ensuite. Oui, la VF est très bonne. La map est ultra diversifiée. Oui. Ouais, c'est à côté du village Piaf, ça. Alors, par contre... Donc j'avais dit qu'on allait d'abord au village des limites. Voir si je peux acheter la... Ah mais je crois qu'il faut aussi des rubis. Je crois que c'est des rubis, plus des vices antiques, des rouages antiques et des trucs comme ça. Je vais aller vérifier. Ah non, merde, c'était pas au village des limites, je suis débile. C'est au deuxième laboratoire qu'ils vendent ça. C'est quoi l'histoire? C'est Link qui se réveille après 100 ans d'un sommeil réparateur en fait, parce qu'il a été au bord de la mort. Et ça a pris 100 ans à combler ses blessures. Et entre temps, Ganon a pris le pouvoir sur Hyrule. C'est l'autre, mais alors l'autre, il était où? Il était en Akala, c'est là. Va te coucher, mon cœur, t'es fatigué. Bah oui, mais on va quand même se lever tôt. Bah, je vais me lever tôt. Yo, bienvenue. Ah oui, ils ont des flèches aussi. Et des putains d'armes.
Il va falloir que je farme du rubis. Enfin, quoi qu'on vendant pas mal. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est 2000 pièces. Donc il me faut 6000 rubis au total. Et par contre, cœur antique, j'ai tout ce qui. Ah non, il manque des rouages antiques. Il va me falloir 60 rouages antiques. J'en ai 43. Et 6000 pièces. Il va falloir que je tue des gardiens. Tout simplement. Tout simplement. Donc c'est à côté du village Piaf, c'est ça hein. Et village Piaf, il est... je crois qu'il est par là. Et j'adore la musique du village Piaf. Si on y arrive de jour, la musique de jour, elle est magnifique. C'est encerclé d'une grande montagne, donc on va essayer de deviner. Il y a un relais juste au pied du village, il y a un relais. J'irai demander au peintre. Il a peut-être une idée. Ouais, ouais, ouais. Oui, je sais. Quoi? Ah, j'ai approché. Ouais. Oui, j'ai dû approcher de lui. Je m'y perds à tourner en rond. Je vais profiter un peu de la musique.